3, 2, 1, sender! Yes! Yes, mec! Wesh la zone, aujourd'hui nouvelle vidéo, on part sur le lac avec nos kayaks, accompagnés de Julien et de Alex, le chauffeur. Non mais mec. On va essayer de sauter une structure qui est à Villeneuve, genre un kilomètre du bord. Et c'est normalement c'est quoi? C'est un non, comment t'appelles ça? C'est une gravière. C'est genre non, c'est pas une gravière. C'est une gravière. Non, voilà. C'est un truc pour les bateaux celui-là. Mais c'est parce que les bateaux ils viennent prendre le gravier. On va dire que c'est une gravière. Mais oui. On va essayer de sauter depuis les côtés. Ça doit faire à peu près genre 15 mètres. Et sinon on va essayer de pas mourir. Et voilà. Allez, let's go. Alex est parti voir où est-ce qu'on pouvait poser les kayaks pour partir. Et puis nous, on gonfle. Bon là, gros problème, j'ai oublié ma pagaie. Je suis parti et je l'ai pas prise. Du coup, on a deux pagaies pour trois personnes sur un kayak deux places et un kayak une place. On va être très lent, on va être très très lent jusqu'à la structure là-bas. Let's go, on passe où? Droite ou gauche? Gauche. Ça fait du matos, hein. Ça fait du matos. Faut pas croire qu'il y a du soleil et du coup il fait chaud. Il fait froid. C'est très froid. La première fois pour Alex sur un kayak. Comment tu te sens, mec? Attention, il y a... Bouge le sac. Non, mais il va où? Bon, du coup, vu que j'ai oublié ma pagaie, on a une pagaie là, une pagaie là. Je peux pas pagailler. Comment tu te sens, Alex? Ouais, il y a un petit kilomètre, quoi. Deux petits kilomètres. Hier, il y avait beaucoup de vent. Du coup, le lac, il est encore agité. Hey, Julien, tu pagailles, surtout. Ouais, t'inquiète. Oh, Julien. Ouais. Les gars, on est trop con. On n'a pas pris de corde pour attacher les kayaks. Ah. On va se les peler un peu, quand même. Petit rappel, l'eau est à peut-être 5 degrés. Quelque chose comme ça. Ouais. On est en février, quoi. Zbrr. Direction, la direction. En train de t'amarrer, elle était de monter dans la structure ici. Et puis j'espère que personne nous a vu encore, comme ça on peut lâcher quelques sauts avant de repartir. Tu prends le siège, ouais. Si t'as des sangles dessus, tu dois trouver un trou, un autre pneu là, je pense. Et la gauche. Ok. On appelle ça sketchy. Après, tu le raccroches à la même sangle. Ouais, par exemple. Hop là. On est chaud. Ça fait déjà petite hauteur, hein. Ouais. Oh, bro! Oh, y'a un corbeau mort, mec! Oh, ça me dégoûte. Oh, frère! Allez, courage, mon pote! Et c'est à peu près ici. On va sauter. C'est bien haut, hein. Encore un peu? Top, top! 17. Ah! Alors, on est à 17. Ouais, ça deep check. Elle est comment? Ouais, par là, hein. C'est parti. Ça a l'air chill. Il y a air ici? Moi c'est le froid. Ah, ça fait froid au cerveau, hein. Oh putain. Oh mec. Ça gèle le cerveau, mec. Ça y est, on se prépare à sauter. La tension est à son comble. Il y a Julien ici qui se prépare. Il prépare la caméra. Ah, c'est très très froid. C'est vraiment très très froid. Allez les gars. Oh le visage, mec. Allez, vas-y. On y va. Les gars, allez. Let's go. Ok. Let's go. Yes! C'est ça, mon gars!
Gaspard s'entraîne à faire des bacs un peu moins haut que là-haut. Pour moins haut. 6 fois moins haut. Ouais, 6 fois moins haut pour avoir le feeling un peu. Yes. Je pense qu'il l'a aise. Ah, stylé avec le soleil. Ça part clairement. Bon, le plus dur a été fait. On a fait le premier saut. Sauf que là, il y a un bateau qui arrive. On sait pas qui c'est. C'est peut-être un pêcheur. Il arrive avec un bateau moteur. Ouais. C'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout. Ouais. C'est pas marrant. Ouais, il vient ici. On descend. Bon alors fausse alerte, c'est hyper bizarre, ils sont arrêtés mais ils ont rien dit. Du coup on remonte et Gaspard il va lancer son bac. Yes. Yes. Joli! Je suis désintégré dans l'eau, hein! Il nous reste un saut à faire. Moi, je pense que je vais faire double back, double layout avec Julien. Julien qui va monter. Et regardez-moi ce spot absolument incroyable. C'est absolument magnifique. Shifumi. Shifumi pour savoir qui fait le premier double. Shifumi. Non! Non! Yes! Oh, ça me met la pression. Mec. Oh, courage, mec, courage. Tu l'as, hein, tu l'as. Allez mon gars, tu l'as de ouf. 3, 2, 1, Gendel. Yes. Yes mec. Go, ça va? Yes. Ça va. Allez, on va au bord direct. On va bouger. Yes! Mal. Ouais, en fait, je voyais pas la surface. À la fin, je la voyais, mais pas au bon niveau. En fait, il me fallait plus de cailloux. Je pense que je vais remonter et le refaire. Ouais, parce que j'aimerais l'avoir mieux. Pas mal. Ah, au cul, quoi, mais en détente. Oh, je vais le refaire, clairement. Merci, Gaspard. Voici un exemple qui nous montre pourquoi il faut toujours respecter les règles de sécurité, toujours avoir quelqu'un à proximité quand on saute, car un accident est vite arrivé. Bon les gars, je saute. Alors comment tu te sens Julien après ce double leg? Je suis content de l'avoir refait parce que j'étais pas satisfait avec le premier, j'ai pris le cul parce que je voyais pas bien l'eau. Et là du coup vu que j'ai lancé plein de cailloux, je voyais bien l'eau, j'ai pu tout contrôler. Puis ça s'est passé parfaitement quoi. Incroyable, je suis très content. Incroyable. Tout a été fait, tous les tricks qu'on avait prévus ont été faits. Et voilà, on va retourner en kayak maintenant et profiter de cette belle journée. Putain, on a galère là à rentrer dans le kayak. Vas-y, viens là. Ok, c'est go. Bon les gars, on espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on retourne sur la berge, on va manger un truc. N'oubliez pas de vous abonner, laisser un pouce bleu, partager. Et puis voilà. Et puis à plus les potes. À plus.